Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Mask Customs. Je vais avoir le plaisir de vous présenter le dernier coup de folie de notre ami Cliff Dagger. Ce sont des créations, donc. Il s'agit du pack d'accessoires pour véhicule masque. Ce sont, alors pour préciser quand même, ce sont des accessoires qui ont été créés dans le but de rendre certains véhicules plus accurate par rapport au dessin animé. Mais il y a aussi d'autres accessoires qui sont pour le fun en fait. Hein, ce sont des choses qu'on voit dans le dessin animé, dans certains épisodes, et que donc vous pouvez ajouter à vos véhicules si vous les exposez. Et c'est important aussi de préciser que ce sont des accessoires pour l'exposition, ce ne sont pas des jouets. Hein. Ce sont des objets à manipuler avec précaution. Voilà. Également, il faut savoir aussi que moi, c'est un des premiers jets hein, que j'ai reçu. J'ai reçu le full pack, mais ce sont des objets qui vont certainement évoluer hein, avec le temps. S'il y a certaines problématiques qui sont détectées, je pense que Cliff rectifiera le tir assez rapidement. En tout cas, moi, j'ai rien détecté de vraiment, vraiment gênant. C'est même plutôt cool tout ce que j'ai reçu. Nous allons donc commencer avec Jackhammer. Vous voyez qu'ici le véhicule est transformé, tout simplement parce que l'accessoire qui vient s'ajouter ici est la console de contrôle de la tourelle, donc forcément en mode déployé. À savoir que cet accessoire ne se stocke nulle part, hein. C'est vraiment comme je vous disais, juste pour de l'expo. Vous voyez que ça donne vraiment quelque chose de sympa, et pour cause en fait dans le dessin animé c'est exactement ce qu'on peut voir. Hein. Il n'y a pas de mitraillette ajoutée dans le dessin animé. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que le dessin animé a été créé pour vendre les jouets, et puis pour vendre les créateurs du dessin animé, en l'occurrence la DIC, avaient plutôt carte blanche. Hein. Donc c'est-à-dire que plus on faisait des trucs sympas, plus ça vendait, forcément. Donc là, ici, on a cette superbe console de contrôle. Vous voyez ce qu'elle donne ici sur le véhicule. On a un petit sticker, ici, ça pète. Vraiment classe. Voilà, donc vraiment destiné à l'expo. C'est très très simple à installer. Hein. Il suffit juste de venir la caler, voyez, par cet intermédiaire, sur justement le support de la mitrailleuse. Et vous voyez que, pardon, je n'ai pas montré, ça déchire. On a les petites manettes et on a les stickers qui vont bien. Avec sur les côtés, les petites grilles. Donc c'est pas ouf, c'est sûr, mais c'est super sympa. Et ça rend vraiment, le Jackhammer plus accurate, donc plus ressemblant à ce qu'on peut voir dans le dessin animé, puisque à chaque fois, hein, dans le dessin animé, c'est cette console hein, qu'on peut voir sur la tourelle. On enchaîne. Alors voici Hurricane. Qu'est-ce qui change sur Hurricane? On remarque tout de suite le canon. Sur la tourelle, là, le canon que manipule Hondo, effectivement, à l'instar de Jackhammer qu'on a vu juste avant, c'est une pièce qui rend le véhicule beaucoup plus accurate, puisque dans le dessin animé, il n'y a pas ces deux canons. Alors pourquoi ils sont enlevés? Justement, c'est parce que ça gêne. Donc vous êtes obligé de déclipser ces canons-là pour poster ce canon, celui-ci, donc le custom en place. Vous voyez, vous le constatez. Alors, hop. Vous voyez comment c'est fichu. Donc là, le canon est enlevé. Du coup, on peut glisser plus facilement ce canon-là. Parce qu'en fait, il vient juste hein, se poser dessus. Vous voyez, tout simplement. Comme ceci. Et donc, si vous laissez l'autre canon en place, ça crée une petite gêne. A savoir que justement, comme il est simplement posé, c'est Hondo derrière hein, qui va maintenir les manettes pour que le canon, en fait, ne bouge pas. Et vous voyez que ça donne une superbe posture. Ça donne un truc vraiment sympa. Alors, c'est pas un véhicule qu'on voit énormément hein, dans le dessin animé, ce qui est bien dommage d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Moi je me rappelle vraiment l'épisode où on voit vraiment super bien ce canon, c'est dans l'épisode des bactéries gourmandes.
Vous savez, avec l'espèce de grosse bestiole bleue là, qui mange tout sur son passage en Afrique. Et que donc Hurricane vient à la fin de l'épisode en renfort, et on voit super bien ce canon d'ailleurs qui tire sur Switchblade. Et vous voyez qu'il est super bien modélisé ce canon. Et d'ailleurs, on va le regarder de plus près. Donc on a bien ici un lambeau canon, un petit mold super sympa, et bien sûr un sticker pour donner un petit peu l'effet console de contrôle. Et ici on a les manettes. Voilà, vraiment super sympa. Encore un superbe taf hein, de la part de notre ami Cliff Dagger. Je trouve que comme ça, ça déchire. On continue ici avec Gator. Alors, à première vue, il n'y a rien qui change. Hein, et effectivement, c'est un fait. Pour voir ce qui change, il faut d'abord transformer la petite bébête et faire sortir le bateau. Je kiffe ce mécanisme. Bref. Et vous voyez tout de suite ce qui change. Hein. Vous voyez. Le moteur. Parce qu'effectivement, sur la version jouet, on a ici l'emplacement où on peut caser le masque. Voilà. Ce que je vous avais montré, non pas pendant la revue de Gator, parce que j'avais oublié de le faire, mais la revue suivante, je crois que c'était Piranha, où je vous montrais qu'effectivement, on pouvait mettre le masque ici. Et vous voyez que ça donne quelque chose de super classe. Très très accurate hein, par rapport à ce qu'on voit dans le dessin animé. Juste énorme. Hein. Donc pour l'installer, c'est très simple. Hein, ça vient vraiment se caler à l'intérieur ici, ça se clipse. Hop, voilà. Vous voyez comment c'est fichu. Ici on a donc le logement et il faut mettre le moteur bien droit et on clipse. Vous voyez, à l'intérieur tranquillement et c'est en place, vraiment super cool. Et comme vous avez pu le constater hein, ça ne gêne pas du tout la transformation ou le mode civil. Vous voyez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voici Manta. Est-il nécessaire de présenter Manta une nouvelle fois? Je ne pense pas. Donc à première vue, rien. Et forcément, puisque l'accessoire n'y est pas. L'accessoire, c'est celui-ci. Voilà. Ce sont deux bras avec des scies circulaires au bout. Dans certains épisodes, on peut voir Manta déployer ces scies qui sortent du dessous de l'avant de la voiture. On le voit autant en mode civil qu'en mode transformé. Dans certains épisodes dont je n'ai plus les titres en tête. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment super classe. Alors ce n'est pas articulé, forcément ce n'est pas articulé non plus dans le DA, hein, hormis le fait que ça sort, ça se déploie. Par contre, on a, vous voyez, les scies ici qui peuvent tourner. Vraiment super sympa ce gadget. Très très cool. En termes d'expo, on est bien. Alors, c'est très simple, hein. Pour venir caler ça, vous voyez, on a deux vis ici, on a deux aimants là, et le tour est joué. Donc voilà ce que ça donne en mode civil, et voilà ce que ça donne en mode transformé. Super classe. Alors je suis vraiment fan de cet accessoire, je le trouve super bien réalisé, et enfin je trouve que c'est une super bonne idée de l'avoir fait, parce qu'il est vrai que quand on le voit dans le dessin animé, ce truc-là, on se dit à chaque fois qu'on aurait bien aimé qu'il le fasse. Alors, le faire en partie intégrante de la transformation, je pense que ça n'aurait pas été possible, déjà par une question de coût, mais aussi par rapport au fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se déploient sur ce véhicule, et pour sa taille, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une belle prestation. Mais c'est vrai que cet accessoire ajouté, là, vous voyez, c'est absolument génial. Je kiffe. On enchaîne ici avec Switchblade, l'incomparable Switchblade. Donc pareil, à première vue, rien, c'est normal.
L'accessoire n'y est pas. Et l'accessoire, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, comme toutes les inventions de Venom, hein, ça a une forme bizarre. Mais ça a une utilité. À savoir que, moi, je me rappelle de l'épisode où c'est un générateur de gravité, en fait. Et c'est justement l'épisode où Mayhem, avec cet appareil-là, détruit Firecracker. Pour laisser place ensuite, puisque Firecracker est détruit, c'est Hurricane, aka Nightstalker, dans le dessin animé, qui prend le relais pour Hondo, jusqu'à ce qu'on voit réapparaître Firecracker dans beaucoup d'épisodes plus tard, et ce véhicule devient propriété de Buddy exclusive. Voilà. Donc, voici ce petit appareil, vraiment super classe. Donc, on peut l'orienter. Alors, pour l'orienter, il faut le faire dans les mains, ne le faites pas sur le véhicule, hein. Et vous y allez mollo, voyez, comme ça, c'est suffisant. Et voyez qu'ici, on a un petit aimant, et on vient caler ça ici, là où il y a la vis du bec de l'appareil. Et voilà le travail. Voyez ce que ça donne. Je trouve ça super classe, vraiment. Si on l'expose, le Switchblade avec ça, c'est un super kiff, quoi. Voici Rhino, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bon, pareil ici, rien d'apparent pour l'instant. À savoir que l'accessoire ici est un de mes préférés. Il s'agit du treuil, vous voyez. Le super, alors vraiment déjà je trouve qu'il est vraiment super bien fait. En plus, il fonctionne. C'est juste trop bien. On a un petit crochet ici. La classe. La grande classe. Et donc, alors, on peut le stocker. Hein. Il suffit de le ranger à l'intérieur, là. Voilà. Et il vient se positionner ici. Vous voyez, dans l'écart qu'il y a, là. Hop, on a juste à le poster là. De cette manière. Et donc du coup, pour le sortir, il faut déclencher ce... Parce que là, vous voyez que ça s'emboîte à l'intérieur, hein, c'est pour verrouiller, et vous tirez. Et c'est normal en fait que ça soit fichu comme ça, c'est pour les facilités de rembobinage, hein, faut le savoir. Donc là, on tire, fais attention quand même, ça part pas en sucette. Voilà. Hop. Alors, moi, ce treuil, je me rappelle dans deux épisodes. L'épisode qui s'appelle Les Pierres Légères, là. Il l'utilise. Les Pierres Légères, c'est celui où, à un moment donné, grâce à la Lune, on peut porter des pierres à bout de bras, des pierres de plusieurs tonnes à bout de bras. Mais je me souviens surtout de ce treuil dans un de mes épisodes préférés qui s'appelle Les Tornades sur mesure. Où Venom tend un piège à Mask et il tombe dans des sables mouvants et justement pour sortir je crois que c'est Firecracker, ils se servent de ce treuil pour sortir Firecracker de ces sables mouvants. Et donc pour rembobiner, vous avez juste à faire comme ça, vous voyez. Hop. Mais que se passe-t-il? Et voilà, du coup, on a pu tirer Gator d'un mauvais pas. Alors, c'est fini de rembobiner. Hop, vous le laissez en place comme ça. Vous pouvez même le laisser hein, si vous le souhaitez. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le retirer de nouveau. Hop, tranquillement. Voilà. Et à la limite, vous pouvez le stocker à l'intérieur. Pourquoi pas? Ça va prendre l'air. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien le stocker à l'intérieur ici. Franchement, ça choque pas. Hop, on plante derrière le canon. Et voilà, le tour est joué. Du coup, on peut remettre Alex, hein, sans problème. Et voilà le travail.
Donc Alex a de nouveau 22 gigs. Vraiment super cool. Voici Volcano, un des véhicules masques les plus déments, hein, toutes gammes confondues. Alors, on sait tous que Volcano dans le DA ne ressemble pas du tout au jouet. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux, parce qu'il a vraiment grave de la gueule en jouet. Alors que dans le dessin animé, bah, on dirait un cube avec des roues. Bref, ça n'engage que moi. Mais on remarque aussi que la transformation dans le DA n'est pas du tout la même. Enfin, c'est le même principe, mais le rendu n'est pas le même, puisque vous voyez que ça se sépare comme ceci. Voilà. Et donc dans le dessin animé, ces deux coques-là sont collées l'une à l'autre. Hein. Elles se replient complètement. Dans le jouet, non, puisqu'on a ce fameux système de déploiement automatique si on le met en mode automatique. En l'occurrence, la chose qui manque au jouet, hein, ce qu'on voit à chaque fois qu'on voit Volcano dans le dessin animé, ce sont ces choses. Les radars. Eh oui, il y a deux radars qui viennent normalement sortir pendant la transformation. Alors, idem, ici, vous pouvez les orienter, mais il faut le faire hors... enfin, hors pause, hein, parce que c'est vraiment super fragile. Donc, on peut en mettre un ici. Alors, j'ai pas envie de forcer. Et on a celui-ci également. Idem, hein, on peut les orienter. Et normalement, il vient se placer de l'autre côté. Alors, je ne sais plus si c'est le rond devant ou le carré, je ne sais plus. Là, c'est pareil, j'ai pas envie de forcer. Mais voilà ce que ça donne. Hein. Hop. Et franchement, ça déchire. Ça déchire. Parce qu'en plus, Cliff a super bien géré le truc. Ils viennent pas simplement s'emboîter, en fait, ils ont l'orientation qu'il faut pour qu'ils soient droits. Alors, bien entendu, on n'a pas d'endroit où les stocker, hein. Le but étant, pareil, l'exposition. Si vous l'exposez en mode déployé, vous voyez que vous pouvez... Alors, je ne l'ai pas déployé complètement, honte à moi. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, je ne l'ai pas emboîté complètement, hein. C'est voulu. Donc ouais, si vous l'exposez en mode déployé, voilà, vous avez les radars, franchement ça complète grave. Faut penser aussi que, comme je l'ai dit, hein, c'est pas fait pour jouer avec, donc si vous servez de la tourelle là, alors normalement, si vous orientez bien et vous les placez bien, vous n'avez pas de soucis, hein, vraiment. Mais si vous le faites pas et que vous utilisez la tourelle, ça peut valdinguer. Je l'ai testé, vous voyez que ici ça accroche. Mais après, je ne les ai pas forcément super bien posés non plus. Hein. Faut bien se le dire. Parce qu'en fait, il y a la carlingue, il y a des parties plus épaisses que d'autres, à cause des rainures qu'on a sur le toit. Donc peut-être à revoir le calibrage, mais franchement, ça pète, quoi. Et le souci vraiment du détail, hop, on revient ici. Le souci du détail, vous voyez, d'avoir vraiment pris le temps de prendre la bonne mesure, hein, pour que les radars soient bien droits en mode déployé. C'est juste trop classe. Trop classe. Voici Stinger. Alors, ce Stinger est en parfait état, mais j'ai cette partie-là. Là. Je suis en quête de cette partie-là en mode impeccable, puisque comme beaucoup, puisque c'est le défaut de ce jouet, le petit crochet à l'intérieur, il y en a un des deux qui est cassé. Donc ça n'a aucune espèce d'importance, puisque là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit kit qui permet justement à votre Stinger de ressembler beaucoup plus à ce qu'on voit dans le dessin animé. Première chose, et on est toujours dans le même état d'esprit, je vous rappelle que ce sont des objets d'exposition. Hein. Donc première chose, on va ouvrir le coffre. Alors déjà, je vais défaire, je vais enlever le mortier, qui, entre parenthèses, m'a été fourni également par mon ami Cliff Dagger. Superbe. Vraiment. Donc, revenons à nos moutons. Premier objet,
ceci, cette énorme pince. Alors, voyez le mold. Très classe. Vraiment chiadé, quoi. On reconnaît bien ce qu'on voit dans le dessin animé. La grosse mâchoire. Alors, tout est articulé, mais c'est pareil. Hein. Il faut le faire dans la main avant de l'installer. Donc là, ça peut pivoter. Ici, ça bouge également. Et ici, on a la rotation de la mâchoire. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ceci, déjà. Et ça vient se caler, en fait, ici, dans le creux, justement, qui est prévu pour le mortier. Vous venez placer ça ici, là, tout simplement. Et vous pouvez lui donner un effet en civil, hein. Comme ce qu'on peut voir dans certains épisodes. Puisqu'en fait, Stinger, dans tous les épisodes, hein, c'est la pince, elle ressemble à ça, et le bouclier que je vais vous montrer ensuite, il ressemble à ce que Cliff a fait également. Donc là, vous voyez, en mode civil, quand il s'en sert comme pelleteuse ou comme treuil, voilà, vous pouvez lui donner cette configuration. Mais également, et on va le transformer, pour le coup, mais également, voyez, cette protection de pare-brise qui est super bien faite. Je kiffe. Très très accurate. Et qui vient se crocheter juste derrière le pare-brise, comme ceci. Tout simplement. Ça donne quelque chose de super sympa. Cliff a prévu le trou, si vous souhaitez brancher votre mortier dedans, vous pouvez le faire. Voilà, c'est possible, mais en l'occurrence ce n'est pas accurate puisqu'il n'a pas de mortier, hein, normalement, dans le DA. Et bien entendu, quand vous le mettez, vous l'exposez en mode transformé, bien sûr, on vient mettre la pince dans une autre configuration. Hop. Comme ceci. Il faut y aller vraiment mollo. Hop, on vient placer ça donc dans l'espace prévu normalement pour le mortier, comme ceci. On recouvre un peu avec le coffre. Et donc là, on a un Stinger très très accurate. Hein. Vraiment super classe. Et ça me fait penser que j'aimerais vraiment que Cliff nous fasse un scorpion chinois, quoi. Ça serait super cool. Voici Thunder Hawk transformé sur un socle. En l'occurrence, j'ai pris le socle du Shark. Hein. Pour cause, le dernier accessoire que je vais vous présenter concerne Thunder Hawk. Et c'est pas des moindres. Il s'agit du lanceur de disque. Regardez comment c'est joli. Hein. Alors, dans certains épisodes, en fait, vous avez ce lanceur de disque qui lance différents projectiles en fonction de l'épisode. Je me rappelle d'un épisode, en fait, où il lance un disque qui vient se coller sous l'aile de Switchblade et qui provoque, en fait, une espèce de réaction qui oblige Switchblade à faire des tonneaux et voilà, ce genre de choses. Ou sinon pour distribuer des mines, hein, qui sautent immédiatement, ou même pour écouter, ou alors pour diffuser une espèce de gaz ou des espèces d'ondes, voilà. Une espèce de prolongation de spectrone finalement, hein, voilà. Enfin, vous voyez comment c'est fichu. Alors, le truc qui est trop mortel, c'est que en fait, il fonctionne. Voilà. Alors il est un peu dur, mais il fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer ici longuement sur la partie rouge et enfoncer le disque. Et ensuite, on lâche. Et quand on lâche là, vous voyez, et que le disque est enfoncé là, ça veut dire que c'est armé. Hein.
Et une fois que c'est fait, il faut appuyer sur le truc rouge, mais de la bonne manière, pour que le disque ressorte, enfin soit projeté en l'occurrence. Le truc c'est que, voilà, c'est un peu dur, mais ça fonctionne du tonnerre. Donc, on appuie sur le bouton rouge et on vient loger le disque, on relâche le bouton rouge et c'est armé. Et vous voyez que, on a un petit aimant ici, et ce petit aimant, on va venir le caler là où il y a la barre des fers. Comme ceci. Et vous voyez du coup ce que ça donne. Et donc on peut faire tirer le lance-disque une fois que il est installé sur Thunderhawk. Et pareil, hein, faut trouver la bonne config. Alors le mien est très dur. Ce ne sera pas forcément le cas. Pour tout le monde. Et il a valdingué. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, mais il a bien valdingué. En l'occurrence, vous voyez, il s'installe vraiment bien ici. C'est cool. Et du coup, si je le positionne, je positionne Thunderhawk sur le socle. Vous voyez ce que ça donne. Ça fait quelque chose de plutôt classe. Hein. Faut bien se l'avouer. Avant de finir, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu avec mon pack. Donc un T-Bob made in Cliff Dagger. Savoir que bien entendu celui-ci ne se transforme pas, c'est pareil, hein, c'est une petite figurine d'exposition, mais superbement réalisée. Vraiment classe. Donc il est articulé, vous voyez, au niveau des bras et au niveau des jambes, de cette manière. On n'a pas bien entendu les genoux, hein, mais c'est largement suffisant. Et pour la comparaison, vous voyez, à côté du jouet, je pense qu'on est dans de meilleures dimensions ici qu'avec le jouet, qui est assez énorme, hein, finalement. Tout simplement parce que celui-ci se transforme en scooter. Et vous voyez, par rapport à une figurine, on est plutôt dans une bonne échelle. A savoir que moi, je l'ai eu là avec le full pack, mais... ce ne sera pas systématiquement le cas. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour la présentation de ce pack d'accessoires pour véhicules masques par notre créateur national Cliff Dagger. C'est un pack qui est super sympa, énormément axé sur le fait de rendre les véhicules plus accurate au dessin animé, hein, pour la plupart des accessoires. Mais aussi axé sur le fun, en l'occurrence ici les fameuses scies circulaires de Manta, le lance-disque de Thunderhawk, voilà, ce sont des exemples vraiment de trucs super fun, et le treuil de Rhino. Le treuil de Rhino, moi je suis absolument fan. Après, pour tous les autres véhicules, on a vraiment des parties accurate, hein, comme par exemple pour Stinger ici, où on voit un Stinger qui ressemble vraiment beaucoup plus à ce qu'on voit dans le DA, il n'y a pas photo quoi. Voilà. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que ça a plus de gueule. Voilà. Mais donc, je le rappelle, hein, ce sont des objets conçus pour l'exposition et non pas pour jouer avec, car ça reste assez fragile. Hein. Voilà. Il faut le savoir, mais ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème, comme vous avez pu le constater pendant ma revue. sur ce, je vous mets dans le descriptif de la vidéo les liens pour contacter Cliff Dagger si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas également à aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Cliff Dagger. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.